années et elle reste séduisante. Moi j'aime bien cette petite anecdote de l'homme de Cro-Magnon. Allez, nous ne sommes pas avec l'homme de Cro-Magnon maintenant, mais nous sommes avec Réginald Allouche, qui est ingénieur et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Docteur Allouche, qui est également auteur de Le plaisir du sucre au risque du diabète, c'est paru chez Odile Jacob. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, vous parlez justement dans votre titre, dans le titre de votre livre, du prédiabète. Comment savoir si on est concerné? Quels sont les symptômes? Écoutez, le prédiabète, d'abord la bonne nouvelle, c'est que le prédiabète, c'est réversible. D'accord. Alors, le diabète de type 2 ne l'est pas. Ne l'est plus, ouais. Voilà, ne l'est plus. Rain is coming down, red rain.
coming down all over me. I'm bathing in red rain, coming down. Red rain is coming down. Red rain is coming down all over me. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on va retrouver Nikos, notre ami Nikos, avec nous ce matin. Ouais, salut, salut les loups, salut July, Natacha, salut Lolo Cabrol, salut à J.M. Morandini, salut à Maxou. Salut Nikos. Maxime Swimsteak est là. À peu près ça. Notre joker de luxe est là ce matin aux commandes du morning, pendant que JP, El Kabash et Thomas Soto font leur BHL de la news. Ils apprécieront. Oui. À la veille des vacances, la rédaction, la direction leur a fait une surprise en leur disant « JP, Toto, vous avez bien bossé, voici deux billets d'avion. Waouh ! Ouais, on part en vacances ? Où ça ? Non, non, vous partez à Kiev, au cœur des manifs, les gars. Ah merde. On est fiers de vous, les gars, on est fiers, vraiment. Allez, à tout de suite. Tout de suite, tout de suite. C'est parti pour les titles of the news of today. Bon, bah, Sophie, vous êtes ringarde. J'essaye d'être simple. Non, non, je suis désolé. C'est pas ce que j'ai voulu, c'était pas vous. Mais je pense qu'à force de simplifier, au fond, la réalité, c'est qu'il y a des sucres qui ont un impact sur les sécrétions d'insuline. L'insuline, c'est cette hormone qui sert à stocker, comme vous l'avez très bien dit justement pour les Cro-Magnon. Vous mangez du sucre, il y a une insuline. L'insuline est sécrétée par le pancréas. Elle fait rentrer du sucre dans les cellules. Et si on prend les stocks de sucre, on ne peut pas utiliser dans les adipocytes. Et en fait, cette insuline, il y a des sucres qui vont avoir un impact fort sur sa sécrétion, mais d'autres moins fort. Je donne un exemple. Before you see us.
To someone and never lose your way. How do you not run out of new things to say? And if we know we're always changing, why should it be the same? And tell me how, year after year, you're sure your heart will fall apart each time you hear her name. I know now or never. The more I love, the more that I'm afraid. But in your eyes I may not see forever. Forever. Be the best of friends. If we can try with every day to make it better as it grows, any luck then I suppose. The music music.